pense qu'on a fait le tour. Ah non, 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 il reste encore un endroit. Mais je pense que c'est fini après. Après, on peut se concentrer sur l'histoire principale. Ouh, je connais pas ici. Oh, super. J'arrive pas à distinguer ce qu'il fait avec eux. Ah non, là c'est ma faute. Là c'est entièrement ma faute, j'ai mal fait. Mal joué. Mais ça va, eux ils sont simples pour le moment, c'est simple, c'est cool. Faudrait que je me prenne un SSD peut-être pour un disque dur SSD pour la PS4. Non! Ah putain, j'ai mal. Ah, j'ai mal joué. Ah merde, j'ai pas bloqué, j'ai pas pareil. Eh, bien joué. Ça, on va le garder, le truc de vie. C'est le dernier. Autant l'allumer. D'accord. D'abord, on va chercher ça. Alors. Ah ok. Oh la vache. Ah merde. Yeah. De la rage, ça serait cool. Bon, pas de la vie. Parce que la rage, il m'en manque un, je crois, pour avoir. J'aurais aimé que maman soit là. Pour une augmentation de rage. Pour avoir la jauge plus grande. Aura imparable. Pourquoi j'ai des fois l'aura imparable qui apparaît? Hé, c'est un fragment de code scriptural. On devrait chercher les autres. Bon, allez, on y va. C'est sûrement le dernier, on va sûrement en chier par contre. Après, bon, s'ils sont du même niveau que les monstres qu'on vient de combattre, ça va, mais... Mais j'ai un doute. Là, regarde. Kovekia. J'espère pas de trucs volants au moins. Oh non. C'est quoi ça? Je voulais finir. Oh la vache.
Ouais, okay. Bah, j'ai mal fait. J'ai trop voulu focus en fait un mec et le tuer. Je me suis pris des coups par derrière, c'est con. Après, il y a des pierres pour ressusciter, mais moi j'en ai pas en mode God of War. Mais apparemment, ça existe. Là, regarde. Bien. Où est-ce qu'ils apparaissent, ces coups? Ah merde. Non! Ah, c'est chiant ça. Par contre, c'est pas pareil. Bullshit ball le mec. Yeah. Bah, quand ça se passe bien, ça se passe très bien. Tu te fais pas toucher, il y a du combat, c'est beau. Je dois vous parler. C'est parfait. Je suis venu ici avec un groupe de marchands pour fuir la désolation. Comment pouvions-nous savoir que les choses étaient pires au lac des Neufs? On ne peut pas réparer tes erreurs pour toi, Esprit. Je sais bien, mais je m'inquiète pour le capitaine et l'équipage. Je crois qu'ils sont encore sous l'eau. Pouvez-vous les retrouver pour moi? Est-ce que vous pouvez nous offrir quelque chose en retour? Je n'ai pas grand-chose à vous offrir. Oh, dans ce cas, je suis pas sûr. Attendez! Je portais un précieux héritage quand je suis mort. Il est à vous si vous promettez de trouver mon équipage. D'accord. Merci. Bah, si c'est pour c'est récupérer... bien, tu apprends. Si c'est pour récupérer de l'argent. Vous n'avez jamais parlé de la désolation. Je ne peux pas parler pour ta mère, mais je ne m'en suis jamais préoccupé. Et tu ne devrais pas non plus. Ça devrait pas nous inquiéter que tout meure autour de nous. La seule chose qui nous intéresse, c'est atteindre ce pic. Vraiment? Dans ce cas, pourquoi on explore toutes ces îles? Les ressources qu'on trouve améliorent notre équipement. Si on s'écarte du chemin, c'est uniquement pour mieux préparer la suite du voyage. Ça me va tant qu'on continue à explorer. Et à aider les autres. C'est marrant, il donne raison au gamin, mais en ayant lui-même raison. C'est bien joué. Ah oui, rejoindre le disciple de Thor. J'avais oublié ça. C'est là-bas? C'est le point bleu ou il y en a un autre? Non, c'est... Ok. Parce que j'ai fini sa quête, mais j'ai pas... Je suis pas retourné parler avec lui en fait. Où est-ce que c'est?
Ah oui, c'était là. D'abord prendre les ressources. Boum. Eh, hey, on dirait une roue à aube. Enfin, plutôt une roue sous l'aube. Est-ce que tu viens de rire? Non. T'es sûr? Oui. Je ne ris pas. J'avais remarqué. Je ne ris pas. Alors le mec il était où là? Hé, hey, vous! La statue n'est plus, esprit. Alors mon lien avec ce royaume n'est plus. Et je peux partir à la recherche du vrai dieu du tonnerre. Il paiera pour ce qu'il a fait. Je vous remercie, voyageur. Il est parti. C'était courageux de vouloir défier Thor tout seul. C'était stupide. Qu'est-ce que l'esprit nous a laissé? Une offrande pour un des dieux. On peut s'en servir? Non, mais les nains peut-être. Apportez l'offrande à Tyr et Brock ou Sindri. Oh, ok. Ok, alors 4 cartes au trésor, c'est bon, les artefacts, on les prend au fur et à mesure, compléter le code. Ouvrir le royaume de Muspelheim. Là on était déjà allé ou pas? Si, ça c'est le... Ouais. C'est... là, le château du roi nain. Bah, je crois qu'on est bon. Je crois qu'on peut continuer l'histoire principale. On va aller voir Bork. Le nain quoi. Hey, Brock. On a quelque chose d'intéressant. Kshetir aurait été heureux de savoir que ses offrandes serviraient à fabriquer une armure. Tu l'as connu? Comment il était? Aucune importance, petit. Tyr est mort. Laissons-le passer où il est. Le nain a raison. Pour une fois. Pour une fois. On avait compris jusqu'ici, c'est guère. Ça me parle. Alors. Gantelet d'unité perdue de Tyr. Je vais l'appeler Tyr. Faible chance d'obtenir, bref, bonus de force, de défense et de rune quand vous subissez des dégâts. Oh, les stats! Ok, pas mal. Ok, ça va, c'est sympa. Ah ouais! Ça, c'est du matériel de qualité! De connaissance, ça va faire une. Le gant forgé à partir d'une offrande faite à Tyr, je sais pas, porte chance. Je l'ai évidemment, je l'ai pas équipé, putain. Où on en était avec. Oh, on est niveau 2. On vient de passer niveau 2. Alors, porte chance. Non, forte chance d'obtenir un atout don de défense. Quand Kratos est niveau critique. Non, 20% de dégâts brûlure. Ouais. Pourquoi pas? Pour l'instant, de toute façon, on n'a pas vraiment grand chose. Cette autre chose. Eh, hey, je suis ouvert. On peut les améliorer, il nous manque seulement de l'acier massif. Ah, intéressant.
Putain, l'amélioration, quoi. La défense, elle passe de 18 à 25. Ouais, bon, bah ça, on va garder ça, je crois, tout le temps. Hein. Ça, je crois que c'est vraiment le truc le meilleur pour le moment. Et peut-être qu'un truc qu'on va garder jusqu'à la fin, quoi. Qu'est-ce qui te fait envie, mon grand ? On pourrait vendre tout ça, mais je vois pas pourquoi. On n'a pas vraiment besoin pour le moment. Votre service, c'est un oubli, peut-être. Non. Pour le carquois, peut-être. Au masque contre de l'argent. Ça fait beaucoup d'argent. Mais bon, le gamin, il commence à être bien utile. Alors, appuyez sur R2 pour avoir une attaque au dernier moment, contrée avec une frappe de bouclier. Je veux des trucs que j'utilise en fait. Ça c'est pas mal. Ça. Coup de poing et coup de bouclier. Le chemin de la montagne, donc on a ça, et on a un royaume de feu, ouverture de royaume. Ça, on trouve un fragment de disque portant... Ouais, mais ça, ça sera plus tard, je pense. Ah, les travaux, c'est bon, les trésors, c'est bon, les artefacts aussi, ok. Allez. Chemin principal. On est reparti. Bon, tant pis. Quai trouvé? Il est où ton quai? Oh. Oh, ok. Ah, hein. Ok.
là on est déjà allé je crois. Ouais, on l'a déjà fait. Ouais. On va voir de l'autre côté. Ça, tu peux toujours pas le lire. Pas les lire non plus. Mais elles sont différentes des autres. Kéké, y a rien d'autre. Ça marche. Qu'est-ce qui se passe? C'était quoi? Comment perdre la vie pour rien? Chier. Ça va, mais tu peux mieux faire. J'arrive toujours pas à les lire. Tu sers à rien. J'arrive toujours pas à les lire. Tu sais rien. C'est quoi ça? Ça pue. Du poison. Oh, ok. Ok, demi-tour. On a un passage là-bas. Ah, une fresque à lire. Là, Atreus, il y en a un autre. Regarde, c'est le serpent monde. Il est beaucoup plus grand que je l'imaginais. Oh, regarde! Il a mordu Thor! Ou... il le mordra, plutôt. 3 sur 11, ok. Ça marche. Je suis toujours dégoûté du fait qu'on ait perdu de la vie. Hein. Parce que je devrais être à fond, c'était des monstres de merde. Je suis dégoûté. On n'a pas vraiment de sort pour se remettre de la vie, ça c'est un peu la merde. Je voudrais bien qu'on puisse récupérer de la vie si on fait des... si on finit les monstres là en prise là, comme à la Doom. Alors... attends. Ah merde. Monte, hop là. Oh la vache. Ok. Loupé. Si Père lance sa hache sur un machin qui creuse dans sa direction, il le fera sortir du sol. Oh, cool, ok. Donc quand il nous fonce dessus, hop, on balance la hache dans le sol. Ok, ça marche. Sympa ça.
C'est bon à savoir. Un autre morceau de code. Cool. Je vais essayer de les assembler. Rien à faire. Attends, c'est pour revenir au début, ça. Ok, ça marche. De ce côté-là, c'est le début. Cool. C'était quoi exactement? L'odeur est épouvantable. Ta mère les appelait des poteaux d'infamie. Ils libèrent du poison. C'est elle qui m'a appris à les neutraliser. Quoi? C'est drôle de penser qu'elle ait pu t'apprendre quelque chose. C'est vrai. Des poteaux d'infamie. Qu'est-ce que c'est que ça? De marcher. Sandek, merci. Merci, Captain Obvious. Merci. Wow. Il y a du brouillard par ici. La brume. Un autre nom? Est-ce qu'on... Non. Ne fais pas attention à lui. Excuse-moi, mais... Où as-tu trouvé cette hache? Ça ne te regarde pas. Oui, je te le concède bien volontiers, mais je connais cette arme. C'est une de nos œuvres, mais... nous ne l'avions pas faite pour toi. Écarte-toi. C'est impossible. La femme pour qui on l'a faite, je suis très attaché à elle, et je serais... vraiment très oh, chérie. Il parle de sa femme. Si je devais apprendre que tu lui as fait du mal. Au moins, il est courageux. C'était à ma mère. Elle l'a donné à mon père avant de mourir. Faye est morte. Je suis vraiment navré de l'apprendre. C'était une valeureuse guerrière. Et une femme admirable. Très bien. Alors, je suis d'accord pour améliorer la hache. Mais... on te l'a jamais demandé. C'est vrai, mais... connaissant ta mère, elle m'aurait supplié de réparer cet acte de vandalisme perpétré contre sa hache par mon... frère. J'en étais sûr, t'es le frère de Brock. L'autre moitié de la marque est ici. Le nabot bleu est ton frère. Oui, mais je suis bien plus talentueux, je te le jure. Sur la tête de Freya. Ne dénature pas son travail. Contente-toi de le perfectionner. D'accord. Mais tu peux la poser par là-bas. Le manche non. Est... comme tu voudras. Le manche est quoi, couvert de sang? Je vais simplement... Ou elle est trop lourde. Ah, le manche... Le manche est imbibé de sang. Oh, c'est du sang séché. Oh. Sur quoi tu travailles? Oh, ça? Je l'appelle le mont de sommet. Le pic de cette montagne recèle quantité de ressources rares. Quand je l'aurai creusé, il me faudra les redescendre. Et tu sais comment le réparer? Je n'en ai pas la moindre idée. Marque de nain. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait? Mais rien qu'à changer. Vous
avez vraiment fabriqué cette hache pour ma mère? Oh, je la reconnaîtrai entre mille. Une de nos plus belles œuvres. Pierre de résurrection. De l'écho des cris de ah. Troll des glaces. À peu près. Mais pourquoi elle? Comment vous l'avez connue? C'est elle qui nous a trouvés la première fois. Là, la conversation est super basse. J'arrive à peine à entendre. Nous y avons vu une occasion de donner du pouvoir à quelqu'un qui l'utiliserait pour faire le bien. Elle parlait même notre langue maternelle. Elle nous a dit... Mavrin Gengul Ain. C'est ça. Impressionnant. Je vois beaucoup d'elle en toi. Tu sais. Merci Sindri. Ne me touche pas. Quoi? J'ai rien fait. Pardon. Je reviendrai plus tard. Ah, donc en fait, je les ai les pierres de résurrection. Mais il faut les débloquer au deuxième nain. Ah, d'accord. Pierre magique ramène Kratos à la vie avec une petite partie de sa santé appuyée sur carré quand Kratos meurt pour qu'Arthrus le règne. Moi, je sais pas vraiment si ça va être utile, en fait. Parce que on va passer notre temps à acheter ces trucs si vraiment on les utilise. Je vais les acheter, ça aussi. Comme ça, si vraiment on en a besoin, bah on les aura et on pourra les augmenter. Bon, tu nous donnes rien de spécial, toi, en fait. Tu nous donnes exactement la même chose que ton frère. Ah, est-ce qu'il te fallait autre chose ? Pensez à vous laver les mains. La prudence. Arrête de me pousser. Il n'y a guère plus de bonnes âmes ici depuis que tout le monde est parti. Je ne voudrais pas généraliser, mais on essaie le plus souvent de vous tuer. C'est noté. Je sais que ça ne me regarde pas, mais si j'étais toi, j'effacerais ce symbole que tu as dans le cou. On nous a dit que ça nous protégerait. On nous a menti. Oh non, c'est bien un symbole de protection, mais... ce pigment spécifique sur la peau, il faut le mélanger à de l'urine de sanglier. Est-ce vraiment préférable à la mort? Légèrement, oui. C'est ton coup après tout. Bah. Putain, je sais pas pourquoi c'est aussi bas. Pourtant, c'est au maximum. Hein. Volume des dialogues, j'ai mis à 100. Les effets, j'ai baissé. La musique aussi, exprès pour pas que... J'ai pas vraiment envie de mettre les sous-titres, mais j'ai l'impression qu'à un moment, je vais être obligé, quoi. Ah oui, sinon, deux secondes. Mon armure, elle fait quoi? Ça. Très faible chance d'obtenir un atout barrière protectrice. Ouais, c'est ça que je voulais mettre à la place, je crois. Faible chance d'asséner un éclair explosif, infligeant des dégâts électriques aux ennemis à proximité à chaque coup de hache réussi. On perd en attaque, en défense. Mais bon. L'attaque est mieux pour nous, je pense. On a pas Franchement, la défense est pas utile. À moins qu'on arrive à un niveau astronomique de défense. Mais pour l'instant, on peut pas vraiment. Donc, en gros, c'est... Atreus, ici. C'est on combat et si jamais on meurt, on recommence. C'est tout, quoi. Par contre, ils risquent d'être assez bas niveau maintenant, les humains. Yeah, l'éclair. Parce que on a fait toutes ces missions secondaires. Donc ça risque d'être un tout petit peu plus facile que d'habitude. Oh merde. Ah, il y a un mec derrière, ok. Non. Non, pas de pierre. On va pas utiliser de la pierre pour ça, c'est de la merde.
partir. Dis-moi quand. Oh, comme il était proche, lui. Ok, on reset tout ça, enfin on reset. On se remet en place. Ok, un gauche. Cool. Et en plus, eux, ils sont un peu plus haut niveau, donc ils mettent un peu plus de temps à crever. Cours, cours, cours. Cours, cours. Putain, des fois, ils courent pas, en fait, quand je sprint. Cool. Il reste plus que lui. Ok, normalement, il peut pas me toucher de là-bas. J'ai cru que j'avais merdé. De la vie et on est bon. Normalement on est bon. À ta gauche. Putain. Ils se téléportent aussi sous la terre apparemment. Ils étaient pas là. Ah, moi aussi, hein. Putain. Oh la vache. S'il parvient à créer sa bombe, Père peut toujours l'empêcher de la lancer en visant avec sa hache. Ouais, j'ai remarqué que quand ils avaient la bombe dans la main, et que je tapais, ils explosaient en fait. Ça les propulsait. Bon, il y a toujours ce connard. Ah, en God of War, c'est ça, hein. C'est, tu passes 20-30 minutes sur un combat. Hein. Vous avez vraiment fabriqué cette hache pour ma... Ah, c'est du... C'est du meurre et re-essé, hein. Mais c'est bien, parce que... En fait, tu te lasses pas du gameplay. Donc, c'est pas vraiment grave, quoi. Comment vous l'avez connu ? C'est pas frustrant pour moi, en tout cas. La première fois. C'était...
une femme spéciale. Elle voulait protéger les gens. Nous y avons vu une occasion de donner du pouvoir à quelqu'un qui l'utiliserait pour faire le bien. Elle parlait même notre langue maternelle. Elle nous a dit... Ah, on peut plus améliorer le carquois. Ok, on doit être au max.